Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On poursuit l'aventure du jeu Dead Loop Live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Donc on va sur explorer le complexe. Tu vas passer tout ton temps à m'appeler comme ça, Julie. Juliana. J'en ai absolument rien à foutre de ton putain de nom. C'était pas le cas avant. On était amis, Colt. Tu sais pas. Non, c'est pour ça que t'as demandé à tout le monde de me tuer. Et pourtant, je suis la seule à te parler. Ça t'apprend quoi, dis-moi? Que je traîne pas avec les bonnes personnes. Bon, centre de contrôle, à l'arrêt. Stade, dame, absolument toute l'île est reliée par ces tunnels. Indique sur le repère n'est pas la seule possibilité. Faites attention à votre environnement. Pas besoin de fièvre pour planer. Faut me baisser. Et comment on s'en donne les autres anciens? Pas d'une heure à l'équité.
Pas besoin de munitions. LB. Je suis pas là pour me faire des amis, pour apprendre. Pas comme d'autres. Ça n'a pas l'air d'être alimenté. Salut Chad Stat. Quoi ? Tu seras de retour demain. Quoi ? Ce sera ça ton premier jour ? Y'a rien à faire ici. C'est elle qui fait toutes les recherches. On passe dans un thermomètre glorifié. Protéger la boucle. Là, c'est dans. La situation est sous contrôle. Colt, est-ce que c'est toi ? Y avoir un interrupteur par ici. Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Répondez-moi ! J'ai dit, répondez-moi ! Répondez ! Ici le docteur Wenji Evans pour la salle de contrôle. Si vous ne me répondez pas d'ici 5 secondes, je vous coincerai dans une boucle infinie tellement horrible que vous supplierez. Oh, ça a l'air de faire des trucs importants, ça. Dites-moi que je rêve. Bon, alors quoi ? Faut que je trouve... Putain.
que soit ce truc à la con. Non, ça va. Well... Ok, on a du jus, montre-moi ce que tu sais faire. Ok, ça c'est pour charger la batterie, je comprends. Sagesse. Je peux payer là, c'est un... Thank you.
Bon. Je me sens parfaitement bien. Que la curiosité des vilains défauts ne touchait pas cette manivelle et laissait la chambre de confinement tranquille. Les résidus génères se dispersent rapidement, même stockés dans un conteneur adéquat. Mais pour quelqu'un, me semblant beaucoup, viendra sécuriser les matériels au début de cet après-midi pour qu'ils soient transportés au bâtiment de rafraîchissement dans le laboratoire. Cadeau de l'anomalie. Ok. Amplificateur de la lumière limitée à unité élevée, c'est un allié parce que censé aider l'éternité à faire des tests à grande échelle. Mais vous en feriez encore un deuxième imbécile. Bien. Anyway. On n'est pas à la même place. En train une fois de tout, Angie, ça m'arrête de raison, t'en penses, c'est quoi? Juliana voulait que ce soit fermé. Donc, moi, je veux l'ouvrir.
Pas besoin. Se trouve au poste scruté, alors autant dire qu'il est gardé ben au lieu sûr. Se trouve que le poste scruté, alors autant dire qu'il est bien. Vous avez survécu. Il y a une vieille centrale sous le centre de contrôle de la boucle. Julian a fait pour m'empêcher d'atteindre la centrale, ce qui signifie qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas que je vois. Hugo Sterling veut à tout prix être reconnu comme fondateur du programme. Les éternalistes se sont rués sur un vieux dépôt d'armes de complexe, voilà un endroit pour moi. Wenji a enfermé une sorte d'arme laser dans son labo. Il semble que Wenji soit l'allié de son étui pour le soir. Wenji conserve un flacon de résidum dans le contrôle pour fabriquer des breloques. Le pot brachin vert de Wenji contient une technologie capable de créer une breloque. Trouvez notre... Voilà le fameux centre de contrôle de la boucle. Contrôle de la boucle serait bien un interrupteur. Cette machine joue, c'est évident, c'est un rôle important, mais elle aboutit à vider la batterie. Le PV m'a l'air utile. Il se trouve au poste de sécurité du programme Aéon sur un rocher. Wenji a une sorte d'arme laser, faut y aller le soir. Tu voulais que je réponde à ça? Je voudrais savoir si tu as enfin compris qui tu étais vraiment. Non, c'est facile. Je suis un buveur à tendance alcoolo, un homme sur une île. Tout le monde me connaît et me hait.
à la gâchette et à la blague facile. Stylé. Pourquoi est-ce que tout le monde porte un masque? Tu as oublié ton petit acmatruc. Tu vas y arriver. C'est un acamagic. J'en ai marre de jouer. Maintenant, c'est moi qui mène la barque. Ok. Tous à bord, mon chou. Chouchou. J'ai dit que je menais la barque. Pas un... Fichier. Prochaine étape. Bureau de la sécurité. Chouchou. Pas essayer à quitter le bâtiment. C'est bon, le pipi, oui.
Ok, ce que je fouille. Voici les derniers exemplaires de changements suggérés par les soins quand tu y penses. J'ai Liliana. Fia Zobreska est peut-être petit, mais lorsqu'elle invoque le chaos, elle obtient la puissance de l'anomalie elle-même. Igor Seling peut canaliser les terres et disparaître d'un clin d'œil. Maintenant, les forces invisibles de Carnesis, Alexis Dovsté peut déplacer la chair d'un simple revers de la main. Julian Blake peut se changer en n'importe qui avec mascarade. Elle se cache à la vue de tous, archivant les événements de l'histoire sans parti pris. Lorsqu'il fait appel à la transposition, Charlie Montag passe d'un endroit à un autre. Un claquement de doigts, Riyad Morse lie les gens ensemble grâce à Nexus, permettant à tous de partager l'extrême expérience d'un individu éprouvé. Chef de la sécurité? Pas étonnant que ces mecs veulent me tuer! Merde! Pas besoin de munitions. Ok. Capitaine Moncold, il veut ton coffre d'ici, soit son coffre là-bas, et maintenant il est là à sécuriser dans ton appartement d'Updam. Updam. Sauf que Miss Mina m'a dit. Tu avais laissé le code par défaut, c'est une invitation, tout le monde connaît ce code, 3563. Prenez une photo au cas où, mais je pense qu'il va la mémoriser de toute façon. Il a même tatoué là-dessus son tête en gauche, le code pour ouvrir son cœur. Peut-être que tu devrais modifier un peu un chiffre ici ou un autre là jusqu'à ce qu'il soit tout neuf. Bah, je m'en fous. J'ai baladé tous les chiffres splash. Parce que dans un temps PPB est un sacré numéro, ton esprit est une petite merveille, ne laisse personne te le dire. Sur Black Reef, le savoir est une arme. Pour progresser, vous devrez souvent revenir dans un certain lieu armé de nouvelles informations. Puisque vous avez trouvé le code de votre coffre, par exemple, vous pouvez retourner dans votre appartement et donner exactement ce que je dois faire. Hey, mais putain de merde, c'est moi qui ai créé le PPB. Ce qui veut dire qu'il est chez moi, à Updam, bordel. Rien ça. Thank you.
à deux balles. Et voilà. Exactement ce jeu. On va l'explorer. Hop là. Juliana. Juliana, t'es là? Juliana. Je me suis souvenu de ton nom. Qu'est-ce que c'est? J'ai dit... Le meilleur endroit pour regarder le feu d'artifice, c'est à côté de l'essai. Attends. C'est tout ce que t'as? Va mourir. Mais quoi? Ça va être spectaculaire. Je me pèle le cul à faire le guet à cause de Colt. Ça a intérêt à être spectaculaire. On devrait l'attraper vivant et l'attacher aux fusées. Quoi? Je dis ça comme ça. Ouvre-moi! Ne bouge pas!
là pour péter l'ambiance. Mon précieux PBB, j'ai pris tant précieux, je suis trop maligne, trop rapide, trop puissante, et toi, t'es aussi lent qu'un barbare de d'habitude, ça me met même pas en colère, je suis juste déçu. Je sais que tu peux faire mieux, tu peux aussi aller te faire foutre, choisis. Ah, Juliana! M'appelle pas, je m'en chargerai. Ouais, mon PBB! J'ai pas fini, c'est pas ton heure, c'est la mienne, je gère cet endroit, tu veux te barrer, tu dois... Salut Gwen! Alors c'est ça, une sorte de prise de poste forcée. Le chef de la sécurité protège la boucle. Tout l'inverse de ce que tu fais en ce moment même. Parfait. Je vais prendre ton ancien boulot alors. C'était quoi? Écrire des conneries à rallonge pour une bande de soapies, hein? Quelqu'un qui vient te dire bonjour. J'ai pas terminé. J'ai verrouillé les portes pour que vous fassiez connaissance. Quelle porte? Celle qui mène à tes petits tunnels. Un design brillant. Tout ça fourni par le capitaine. Oh! Attends. Merde. Ça me gave. Tu vas bloquer mes tunnels? J'aurais qu'à les débloquer. Un peu envers une zone pour retraquer. Lorsque c'est le cas, le tunnel de sortie sans verrouiller, débloquer les piratants, antenne radio locale. Vous pouvez également choisir d'affronter Juliana et de faire de pleines reprises. Voilà, on va faire de plein de reprises dans le bâton. Juliana ne peut envahir que les quartiers dans lesquels se trouve un visionnaire. Il ne peut vous envahir qu'un nombre limité à la fois. Et la plupart des visionnaires portent sur eux un module qui leur octroie des aptitudes surnaturelles. Vous pouvez utiliser le module des visionnaires après avoir débrouillé le reste. Les modules s'équipent dans les mains secondaires, appuyez sur par en haut. Vous passez au module ou en changez. Maintenant, vous pouvez les sélectionner et dédier au module que vous transportez. Le module épuise une ressource appelée énergie, représentée par la jauge bleue située dans le coin de l'écran. Chaque module peut bénéficier de plusieurs améliorations étant récupéré à nouveau au visionnaire. Salut, Miss Montréal Saber. Bon. Ok. C'est pas grand chose. À travers une fenêtre.
Nice. Putain! Ça va, Gwen? Ah, là, ben. Je suis mêlé. Ben. Ok, je pouvais le faire en douce si j'aurais voulu, mais en tout cas. Barnac, c'était pas une bonne idée, ça. T'es ici, enfin, je passais. Bon, on l'a eu. Et voilà. Bien sûr. Traqué, Julia. Plus d'un tour dans son manche à bambou. Une boucle s'éteint. Un être s'éveille. La gueule assemblée. Ben, c'est un jeu qui est sorti sur Xbox Game Pass un bout, là. Hier, j'ai fini Scorn. Manquer la fin de Scorn. Julien n'a plus d'un tour sans ça. Julien a break, vous a tué par balle.
Cette chute a causé votre mort. On a la carte. Frank Teal et deux artifices ce soir. Revenir au matin. Juliana a vidé mon coffre dans la journée. Dommage pour elle. Il m'attendra à nouveau un petit matin. Non, c'est ça. Donc, tu dois jouer avec les différents temps de la... Non, on peut recommencer la journée, mais le matin. Mais là, mon coffre aurait pas été volé. Bon. PPB, coffre-fort. Faut que j'atteigne ce coffre avant elle. Ensuite, je récupère le PPB. Oh, ça a intérêt à être un flingue. Ah, pute borgne. Mes armes ont disparu. Ouais, mais tu vas toutes les attraper de nouveau. Donc, c'était tout. Pour l'aventure du jeu. Dead Loop. Live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh, yeah!